Assalamu alaikum et bonjour à tous. Alors, bonjour au Québec. Je fais un petit appel à tous. Alors, dernièrement, il y a eu la charte, il y a eu la loi avec donc, Pauline Marois essaie de passer. Puis, moi, je dirais, bon, c'est sûr que ça, c'est une loi bon, qui attaque le voile, ça, on est tous au courant et tout, mais je dirais que c'est surtout et avant tout, je pense, pour nous diviser encore plus. Pour essayer de montrer que oui, il y a des différences entre nous. Et non, apprenez pas à vous connaître. Restez chacun dans vos coins, puis fermez la porte à clé. Ayez peur l'un de l'autre. Fuyez-vous. Détestez-vous. Insultez-vous. C'est ça. C'est vraiment ça. Alors, hier, j'étais au centre-ville par affaire. Puis ça a donné que j'étais avec une amie qui, elle aussi, porte le voile. Alors, on se promenait dans un centre. Et là, tout d'un coup, on marche. Vraiment, on fait pas de bruit, là. On est tranquille. On marchait. Et là, on se fait accoster par une fille. Là, elle nous dit, hey, vous avez pas entendu la loi de Pauline? Puis là, elle crie ça avec une intonation assez... Hey, les filles, vous avez pas entendu la loi de Pauline, non, tu sais, la charte? Bon, c'est ça, exactement. Là, moi et mon ami, sur le coup, je pense qu'on a des yeux ronds, là, on s'est regardé. Puis là, on a ri un peu. On a ri parce que moi, quand je vois des trucs comme ça, ça arrive pas souvent. Au Québec, quand même, moi je dis qu'on est chanceux, les gens sont quand même ouverts. Et ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça me choque pas contre moi-même. Moi, je le sais pourquoi je porte le voile. Moi, je le sais pourquoi je suis musulmane. Je le sais pourquoi je vis. Donc, même si quelqu'un arrive demain, puis je sais pas moi, il se met à m'insulter du matin au soir, puis à me frapper, moi je le sais qui je suis. Donc, il y a personne qui va pouvoir venir essayer de, je sais pas moi, m'ébranler de ce côté-là. Ça va juste me... Oui, ça me fait de la peine parce que je me dis, comment est-ce qu'il y a des gens qui sont encore illettrés à ce point-là? Des gens qui vont passer, je sais pas moi, qui vont apprendre tout simplement de la télévision ou des journaux, comme ça, sans même se poser de questions, sans sortir dans le fond de leur bulle. Et se dire, oh ben, c'est un étranger, c'est un immigrant, c'est un... Tu voyais, simplement parce que ils ont vu, je sais pas, un signe qui était différent. Ah, une personne bronzée, une personne avec un voile, une personne avec des cheveux bleus, je sais pas. Non, mais en tout cas, fait que... Bon, tout ça pour dire que c'est arrivé, bon, ils nous ont accrochés et tout. Là, nous, on a pris quelques secondes de réflexion. On s'est dit, est-ce qu'on va les voir, on va pas les voir, qu'est-ce qu'on fait et tout. Puis là, je sais pas, ça a juste donné que nous deux, on avait le goût d'aller les voir. Puis là, on est allé à côté, on les a suivis. Ils étaient arrêtés à un kiosque de crème glacée et là, la fille, elle ne nous a pas vu arriver. Là, mon amie arrive avec son téléphone cellulaire, elle le met devant son visage. Puis là, elle dit, répète donc ce que tu as dit devant la caméra. Là, la femme, elle se tourne. Et là, elle pogne le téléphone de mon amie pour y arracher des mains. Bon, je sais pas, mon amie, elle le tenait vraiment serré. Et là, elle dit, hey, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux mettre sur Facebook, là? Là, avec sa voix de... Ouais. Hey, c'est quoi ton problème, toi? Tu veux mettre ça sur Facebook, hein? C'est ça que tu vas faire, hein? Fait que là, mon amie, elle s'est mise vraiment à... Ben, on s'est mis à parler avec elle, puis dire, mais pourquoi tu dis ça, puis c'est quoi toi ton problème, puis qu'est-ce que ça te fait à toi qu'on porte le voile? Franchement, je pose une question ouverte. Qu'est-ce que ça vous fait, ben, ceux qui seraient contre qu'on porte un voile? Est-ce que ça change ce qu'il y a dans ma tête? Est-ce que ça va faire que, je sais pas, moi, tout d'un coup, je suis devenue moins intelligente? Tout d'un coup, je sais pas... Bon, si j'aimais le sport, j'aime plus le sport. Si j'étais capable de dessiner, je dessine plus bien. C'est qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Donc, une question ouverte. Parce que moi, si je suis bien dans ça, si moi je suis bien, puis c'est ce que je veux, puis c'est... Ici au Québec, on est libre. Alors, moi je veux le porter mon voile. Fait que je vois pas pourquoi. Au Québec, on est libre. Fait que tous ceux qui portent le voile, c'est parce qu'ils veulent le porter. Vous voyez? Puis bon, si on a... On n'est pas là pour faire une histoire de cas et... C'est vraiment... Bon, c'est ça. Fait que là, ils nous ont accostés comme ça. Et là, nous, on était là, on se défendait pas trop fort, dans le sens qu'on on crie pas après les gens. On n'est pas là pour insulter, on est là plutôt pour mettre du plomb en tête à ceux qui n'ont pas. Alors, on parlait doucement, comme essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Écoutez, là, on a leur dit, nous deux, on est nés au Québec. Moi, ma mère, par exemple, est québécoise. Alors, le Québec, c'est mon pays aussi. En tout cas, fait que là, il y a une femme, je sais pas d'où elle est arrivée. Tout d'un coup, elle était juste là, devant moi et mon amie. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle va être contre nous aussi?
Non, elle était... Si vous voulez, c'était elle notre porte-parole. Là, elle s'est mise à gueuler après eux. J'ai jamais vu ça. Elle s'est mise à crier, puis dire de nous laisser tranquille, puis c'était quoi leur problème. Et le... Bon, les deux filles étaient accompagnées d'un gars. Alors, le chum d'une des deux. Elle, il s'est mis devant elle, puis il était un peu trop proche. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à le frapper. Je ris, mais c'est pas drôle, là, mais... Elle s'est mise à le frapper, puis le pousser de toutes ses forces. Et là, le gars a revolé et tout, puis... Moi pis mon ami, c'était pas ça notre but. Nous, c'est pas... On n'est pas là pour faire de l'anarchie. Mais tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ce... Cette charte-là pis cette loi qui veut passer, là... Nous, si on se défend pas, il y en a qui vont me défendre. Pourquoi? Parce que... Tout ça... Il y a des gens qui le comprennent pis qui le savent que c'est pas contre le voile, mais c'est plutôt contre... C'est contre... Vous... Des valeurs qui sont en train d'essayer de toucher, d'ébranler... Ben, tout le monde un peu. Mais juste essayer de faire peur, de montrer que la différence, c'est quelque chose qu'on devrait s'éloigner. Alors là, ben c'est ça, cette fille-là, elle a pris notre défense. Puis, si on, moi je pense que, ben, c'est ça, si on fait pas quelque chose, si on n'est pas capable de voir au-delà du voile, il va y avoir des problèmes plus gros que ce que le voile supposément apportait comme problème, parce que je vois pas. Je vois pas ce que ça change, vous voyez? Donc, merci. T'aurais-tu besoin d'un bodyguard? Oui. Ma mère m'a dit que je devrais me promener avec un bodyguard maintenant. Oui. Un bodyguard, une carotte. Peut-être que ça va faire sourire les gens et donc ils vont pas vouloir m'agresser. En tout cas, ta carotte a souri. Oui. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est souriez, la vie est belle. OK. Et puis, tant pis pour ceux qui veulent mettre le bordel. Oui. Nous, on aimerait ça vivre avec le sourire, comme ça. Merci, Aïcha. Merci. Désolée pour ce qui t'est arrivé hier. En direct. OK. Bye. Ben, on recommence. Là, je sais pas ce qui s'est passé dans la vie, à peu près, pourquoi ne pas trouver les mieux. Alors, je comprends pas que... On recommence. Moi, j'attendais que tu me dises les mots. Mais je sais pas comment faire. À l'insulter, la bafouer. Et là, je sais pas l'anglais. فانجابت بياجيه.
سيدي بأبي أنتم ووالدتي ونظرة منكم للصب تروي يا سيدي بأبي أنتم ووالدتي ونظرة منكم للصب تروي فالقلب يهواكم والقصد رؤيتكم والحب أداكم والوجد رؤيتكم